Oula, sortie de piste assez violente de Morbidelli, malheureusement. Morbidelli, vous le voyez, immobilisé en mauvaise posture. Que s'est-il passé? Nous allons peut-être le revoir au ralenti. Oulala, Gianni Morbidelli, oui, qui est venu taper dans la ligne droite. C'était en sortant des stands? Oui, apparemment, pneu froid. A-t-il eu un bris mécanique, un problème mécanique? C'est un peu bizarre de voir un pilote quitter la piste à cet endroit. Oui. Ça rappelle un petit peu la sortie de Berger il y a quelques années à Estoril. Et on a pu remarquer qu'il a tapé de face dans le mur, Gianni Morbidelli. Et on regardera, alors qu'il est un petit peu coincé pour sortir, et on regardera le museau avant, la structure déformable qui a merveilleusement rempli son rôle. Alors évidemment, la monoplace est immobilisée dans un endroit très drôle. Le comportement global séduit voilà. Patrick, et voilà, oui. C'est la sortie de route de Gianni Morbidelli qui, en sortant des stands à vitesse relativement réduite, eh bien, il y a probablement un problème de différentiel arrière, problème de transmission. Il a tapé le mur de face. Fort heureusement, et comme vous le disiez tout à l'heure, eh bien, il n'y avait personne dans la ligne droite à ce moment-là. Et également, eh bien, heureusement.